Mighty, c'est parti! J'ai dégainé le flow, j'étais obligatoire. C'est obligatoire, les gars. Dis-nous un peu ton ressenti là-bas. Franchement, j'ai pas les mots. Je sais pas quoi dire, je vous dis la vérité. Ouais. Ça va partir en couille. Et manager? Putain, j'ai dégainé un flow de bûcheron, je suis vénère. Il est vert, le manager. Ah ouais. Ça va? Ouais, moi je suis en mode dégaine d'hiver. Dégaine d'hiver. Dégaine hivernale. Dégaine hivernale. Le manager, ça va arriver, ça va lui donner une pièce. Bon, comme vous pouvez le voir, le voyage annonce bien. Let's go, les mecs. Il m'a regardé, il a dit c'est ma femme, elle s'est où mon passeport. Il nous a regardé, il a dit non vous inquiétez pas, non, c'est ma femme elle a. Frérot, je commence déjà à transpirer. Ah ouais, voilà les palabres, trop de kilos en trop. Le manager il a 6 kilos. Ah bon ça. C'est bon là, normalement c'est au P. Attends, c'est bon, 1 kilo là. Kilo. Prends notre pantalon, mon gars, prends notre pantalon. Essayez la valise sur le tapis. Ok. Mets un autre caleçon là. Mais attends. Ouais, c'est oupi. Les mecs, c'est bon. On a passé. Je sais même pas ce qu'on a passé. En tout cas, on a envoyé nos bagages. Là, c'est juste en cabine. Ça va péter. Attendez, la caméra elle est un petit peu sale là. Je vous néglige, je suis vraiment désolé. Attendez. Comme ça, vous voyez à quel point je suis beau. Hein. Ce serait une insulte à vous et à nous de ne pas voir à quel point je suis magnifique. Encore, vous voyez pas ma coupe, c'est une dinguerie. En tout cas, je vous fais des bisous. Problème fixe. Regarde devant toi. Peut-être parce que je suis trop beau. A plus tard, bisous. Et lui, on sait pas pourquoi il est passé dans ce côté. On est arrivé, il y a déjà des embrouilles. Elle a tête d'homme, j'avais pas d'étiquette, du coup j'ai pas mangé. Eux ils ont tous mangé. Et lui, avant de monter dans le truc, vous voyez, on a mangé un petit sandwich. Il a dit ouais, je te jure, je te donne et tout. Ce gamin il a donné à un inconnu. Ouais, mais Mighty en fait il était pas là, je te jure. Welcome to United States of America. Un genre de vlog Un genre de vlog mystique hein. Regardez, il fait l'influenceur le manager. Je vais faire un vlog sur l'agence. Sur quoi? Ah ok. On vient de passer la douane. Nous personne tranquille. Nous c'était à l'aise. For one week for vacation. Et je vous explique. Elle m'a posé un tas de questions. Elle m'a dit ouais, tu restes combien de temps? T'es quoi? J'ai dit je suis étudiante et tout. Bref, tu peux dire je... un nom? Oui, I'm a student. T'as pas dit influenceuse? Ouais, j'étais même pas étudiante. Ouais. Mais t'as arrêté l'école au CP. Ouais. Bref, je les calcule même pas. J'ai dit je suis une étudiante et tout. Bref, ils m'ont posé un tas de questions et eux ils sont passés tranquilles. Ouais, jusqu'à mon manager, lui, français, tout ça, carré. J'ai trop le seum. En tout cas, elle était grave gentille parce que à la fin, elle voyait que je comprenais pas. Elle m'a dit non, c'est pas grave et tout, t'inquiète. Après, elle m'a dit tu peux y aller. Du coup, voilà. J'ai pas envie de stresser. La rose là, ça fait deux fois elle fait le tour. Ok, bref, donc là ma valise pour l'instant on est en attente. C'est toujours moi niveau valise, je sais pas pourquoi j'ai un problème niveau valise. Yoram, il y a toutes mes affaires dedans, je suis morte. Il y a pas d'autre valise. La violette, ça fait 3-4 fois que j'ai l'air d'avoir passé là. M'arrêtez de me stresser. Je l'ai. C'est bon, c'est maintenant où, tu peux nous expliquer le taxi. Alors le taxi c'est 200€. 35 minutes, 200 plus tard, mais c'était pas c'est des fous. En vrai le van ça nous fait genre 30$ chacun. Moi ça me dérange pas mais je prends 5$ chacun. Hey, 30$ c'est beaucoup je te jure. 30$ la tête de ma mère c'est beaucoup. La tête de ma mère c'est énorme 30$. Pour 45 minutes c'est une dinguerie. Mais t'es fou quoi. Non, non par contre non. Non 200$ je veux dire, 200$. Écoutez la sonorité. Comme dans GTA, c'est une dinguerie, je kiffe entendre la police d'ici en fait. Stop now! Put your hands up in the air! Camion poubelle de New York, on dirait un Transformers. Oh mon dieu, j'ai rien compris. Elle a dit, tout simple, elle a dit. Moi aussi, j'ai juste entendu. Is the reservation. Ouais, mais elle est pas très vite. Et pour dire why? Qui a la réservation. Who is the reservation. Apprenez l'anglais, les gars, prends tronc. Wesh. Ah ouais. Là, on a les toilettes. Avec la salle de bain. La petite douche. Franchement, je trouve que c'est bien. Hein. Ouais. C'est simple, c'est pile. Oh, pardon. En fait, j'ai reculé. Il s'est pris mes grosses bottes dans sa cheville. Ça va? Là on a un petit... C'est quoi ça? C'est pour se brosser les dents? MDR! On se brosse les dents là et là il y a un petit frigo, ok, petite serviette, ok. Petit dressing, mais vraiment minuscule par contre. J'ai une tablette et tout. Oh non! Ah pour les LED! Ah non, c'est... Non. Dans la salle de bain! Ah ouais! Eh c'est stylé, c'est vraiment dingue en fait. J'espère que vous voyez pas trop d'effets noirs. S'il y a des effets noirs, je suis désolée. C'est les lumières, vu qu'il y a plein de lumières, je pense que c'est pour ça que ça fait des petits zigzags. Ça y est, on peut poser enfin nos affaires et faire un tour dans Times Square et surtout manger parce que je vous jure, lui, depuis la fin. Et vous connaissez Tyler quand il a faim. C'est là-bas? C'est de la dinguerie!
Eh, j'ai l'impression, c'est irréel. Je vais filmer les gars là, pardon. Là, on va manger à Taco Bell. La tête d'homme, je sais pas, j'ai plus quoi. J'ai cliqué au hasard. Ah ouais, lui il a pris un coca. Et nous on a pris de l'eau. Vous allez vous dire quoi? Je suis choquée. Parce qu'en gros, j'ai mis ma carte. J'ai même pas besoin de mettre mon code. Le truc il a validé. Easy, il a aucun problème. C'est bon? Tu manges pour goûter? Eh le croc. Eh, t'as pris quel burrito? Riez? Moi aussi. Il est bon ou pas? Non! Non. Les mecs partout dans New York, ça sent la bugue, ça sent la weed dans le Times Square. T'aimes bien ce que tu manges? C'est mieux que l'autre, tu veux goûter? Tyler et moi, on est en train de taper une discute à 3h, presque 4h du mat. Et là... Hello! Good morning, New York! How are you today? Hey, Lala! Maïva, elle a fait caca, là. La tête d'homme, ça pue. Donc, on va commencer par manger un petit breakfast. Nous attendons les adresses du bon manager parce que j'ai extrêmement faim. On va aller se faire un Starbucks, non, je rigole. Qu'est-ce qu'il dit, là? Faut jamais s'arrêter. Ok. C'est-à-dire faut marcher. Pourquoi? Si on veut s'arrêter, parce que la ville elle marche. Si tu t'arrêtes en plein milieu comme ça avec les gens derrière, les gens vont nous balayer. Tournage d'un film, les gars. C'est le tournage d'un film. Mais non, c'est pas le tournage d'un film. Mais non, c'est pas un film. Waouh, c'est une série télévisée. Série télévisée. On va manger là-bas. Bakery. Tu veux qu'elle fasse ça? J'ai des pots au chocolat et des croissants. Arrête. Allez, gars, on va commander petit déjeuner. Can I choose cheese omelette with a prawn sauce? Is possible? What do you recommend for the yogurt? Granola, strawberries, blueberries. Ouais, c'est des fruits rouges, quoi. Ok, so I can take 2 eggs. Yes, yes, thank you. With bacon, please, and one orange juice. That's right. Ah ouais, un vrai bail. Thank you very much. Attendez-nous. Wow. Il y a de la dinguerie. Arrête. Non, ceci, j'ai jamais mangé ça. Moi, je vais goûter le bacon là, avec les œufs. On va voir ce que ça donne. C'est bon ton truc? Ouais. En plus, toi, t'as vraiment pris un truc pas commun. Ouais. Pour changer. Bref, on va manger tranquillement. Bisous. On a fini de manger. C'était ultra bon. Je vous recommande fort. Au pire, on mettra l'adresse et tout pour ceux qui vont à New York. J'espère que vous aurez la chance au moins d'aller à New York pour ceux qui nous regardent. Et tout. Mais franchement, c'est incroyable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ma petite vidéo collab pour L'Oréal. Vous connaissez L'Oréal, c'est New York. Hein, c'est chez eux. Du coup, let's go. On se retrouve au Times Square. On va faire une collaboration pour Madame Maé en NRP. Allez. Là, je vais faire un shoot pour être posé sur Times Square. Dinguerie, quoi. Un jour, tu te vois sur le Times Square? Ouais. Dans combien de temps? J'aimerais bien. 2 ans, c'est peut-être possible. Hein. Regardez un peu la vue d'ici. Regardez. C'est vraiment magnifique. En plus, je suis trop beau, je vais grave avec le décor. Laisse tomber. On va vous filmer les backstage de la collaboration de Maïva. So, kiss, bisous, like a French girl. Say bisous. Ok, bisous. La tête d'homme, c'est dur de faire des collabs dans Times Square, les mecs. En plus, les feux, ils passent vite au vert, au rouge pour nous. Là, elle doit marcher. On sait pas vraiment ce qu'on doit faire. C'est galère. Tu devrais t'avancer. Vas-y, recommence. Try again. Yes, of course. Try again. Non, là, c'est mort. Voilà, c'est mort. Tu vois les tournages? Vraiment. Vous voyez un peu l'envers du décor? En gros, ici, Transformers a été fait ici. Le premier Transformers a été fait ici. Qu'est-ce que tu racontes? Mais si c'est vrai, ouais, je suis à New York, il a été fait à New York. Mais plein de films ont été faits à New York, My Jiggly Jizz. Mais My Jiggly Jizz. Spider-Man. Il y a aussi les Transformers. Spider-Man. Spider-Man aussi. Superman. Les gars, go. C'est parti. 3, 2, 1, go. Ah, ils sont partis au Starbucks comme des bons Yankees. C'est Yankee numéro 1. Alors. Ma belle Samy. Ok. I'm American now. Écoute. Goûte. Oh mon dieu, mais en fait ça, de base Starbucks c'est pas bon, moi c'est la vérité. Mais... Moi clairement j'ai pas pris parce que j'ai essayé vraiment plusieurs fois en France et tout. En fait c'est frais, c'est un peu plus sucré, je te jure c'est différent. Tu vois quand t'as chaud, la vie ça... T'as vu? Mango, dragon. My Jiggly Cheese. De toute façon c'est à moi de toute façon. Elle a acheté pour moi. C'est vraiment archi bon. Je suis grave choqué. Fruit du dragon elle a dit. Moi je m'en vais, hein, j'avance avec la boisson. Attends mais j'ai pas fait la photo. J'allais taper sa boisson hein. Regardez eux là. Tout pour Instagram. Eh moi aussi je vais faire un. Eh je peux prendre la photo ou pas alors? Vas-y, toi ça tue. Moi? Ouais, vas-y comme attendez. Ça. Attendez. Si décale un petit peu. Vers où frère? Comme ça, c'est bon. Voilà. Mais Taylor, dis-moi je dois mettre vers où? Mais à ta droite, à droite. Bah à droite encore. À droite. Encore à droite. À droite. À droite. Voilà. Ouais, je comprends pas la droite ou quoi? Et lève un peu. Lève un peu, wesh. Je comprends pas le français. C'est bon. Attends, moi je la prends la mine. C'est dur de prendre une picture. Allez, va prendre moi en photo avec mon truc. Tout pour Instagram ou quoi? Tout pour la fame, tout pour les caméras. Là, on est dans la librairie publique de New York. Can you speak English?
Yes, we are in a library. In the library. In, wait, yes, sorry. In the library, official, no, in the official library of New York. I think is a public library of New York. We stay here for the moment. For visiting. Secret. Robert and Jack, Rachel Lennox, James Lennox, his life to philanthropy, his generosity. On a envoyé le petit frère Maeva essayer d'arrêter un taxi parce qu'on en a marre de marcher, on a mal aux pieds. Lui, come here! T'as mal aux pieds? Oui. T'as mal aux pieds? J'ai trop mal aux pieds. Impose your style. Impose your style. Bon, y'a pas trop de taxi là, mais à tout à l'heure. Peut-être dans le taxi. El Poto, il a mis ça en story, il aime trop. En fait, je crois le poteau, il pense que c'est le centre du monde. Frérot, il y a pas que toi qui mets ça en story. Non, regarde, j'ai mis ça il y a 4 heures, lui il a mis ça il y a 1 heure. J'avais même pas vu ça en story en plus. Non, et l'écriture. L'écriture, t'as mis la même, wesh. Ouais. L'écriture, t'as mis la même. C'est moi, je l'ai mis dans toutes mes stories cette écriture. Oh lolo. Wesh, il dérive les mecs. Taylor, t'es de mauvaise foi, je te jure. T'as pris il y a 52 minutes. Et donc, bah tranquille, t'es juste un mec, t'as pris. Je mets une story. J'ai mis Tyler in New York. Il a mis la même écriture que moi en Rusty in New York. Attends, remets comment il a mis pour voir. Parce qu'il a mis les mêmes majuscules. C'est un malade. Moi je dis juste que quand t'as vu ma story, tu dis ça doit être ça. Bah, il va décider de prendre un Uber. Exactement. Parce qu'en fait, on avait marre de marcher. Les pieds là, prenez un coup. Ah ouais. Tyler GRT dans le mood. J'appréhende beaucoup. J'aime bien. I like that. Et Maeva. T'aimes bien? Ouais, j'aime bien. Avec ta coupe et tout, ça va être nickel. Zeri, Jordan. And you? Vanessa. Vanessa. With an R. Vanessa. Vanessa? Yes, Vanessa. Perfect. Elle est trop belle la tenue, j'aime. On est en mode styliste. Restez branchés sur nos réseaux pour voir les résultats. Like that? Yeah. Ouais, Maeva, outfit. Hey, t'as vu, c'est mes talons en plus, c'est à moi. Ah, ça. C'est à toi ça? Oui. Bah non, j'achète des vrais trucs, tu vois. Ah ouais. It's very hard to walk with this. Yeah, but don't worry. Let me get this. Okay. C'est quoi ton ressenti? Franchement, on est dans l'ambiance, on est en mode mode, t'as capté? Là, t'en penses quoi un peu de mon truc là? Normal, il y a un jazz de fou. Hein. Un, ya. Yeah. Ah ouais, des bails de vibe. Ok, guys. On a fini le shoot. Ça s'est super bien passé, je suis contente. J'espère que les photos elles vont. Non, franchement, ils ont bien trouvé les. Un super bon moment. Mmh. Voilà, voilà. Bref, du coup, là, on va aller manger. On va manger à Momo Sen. Ça a l'air d'être bien bon. Ils sont fermés. Ils sont fermés? Non! Sorry, we are closed. Ça sentait trop bon la vie. Mais comment c'est fermé avant 5 ans? Ah, il ferme à 21? J'ai pris un Uber pour rien, les mecs. C'est ça en fait. Tu vas reprendre un Uber? Ça fait quoi là, les juices? Ça va manger, mais où tu veux. Après, au pire, chicken. Non, un genre de. Ou des wings chez Popeye ou un truc comme ça. Je me dis, on est à New York, ça peut pas être dégueulasse. Là, c'est la première fois qu'on rentre dans un taxi, les mecs. Hey, c'est cool le taxi. Ouais, c'est cool. Hello! T'aimes pas ce cas-là? T'aimes pas un peu donner l'heure? Hey, redis-lui hello, redis-lui hello. Hello. Oh, redis pour voir. Non mais 203 non? Non mais 203 peut-être il a pas entendu. Dis-lui how are you? T'as le seum. Je suis young. C'est quoi la ref? T'es young ou t'es pas young? Ouais, si, c'est young. Hey, tu connais cette ref aussi? T'es young ou t'es pas young? T'es pas young. Si, c'est young. Yes, c'est young. Quoi, mais la tête d'homme c'est pas ça, wesh. Il a niqué la rêve. C'est vrai, wesh, c'est ça. Mais la tête d'homme c'est pas mais ça, mais la vie c'est pas ça, t'as fait. Le petit il pleure, je suis yambe. Non, la vie de ma mère c'est pas comme c'est ça. Ça non, la tête d'homme c'est pas comme ça, t'as niqué la rêve, je suis choqué. Bah, fais-le, c'est quoi toi? C'est. T'es yambe ou t'es pas yambe? Si, je suis yambe. Au calme, ça arrive d'oublier les rêves. Mais à Popeye, il passe tout de poulet. Et là, il a pris juste des nuggets avec de la sauce. T'as pris quoi comme boisson? Fanta rouge. Fanta rouge, ok. Fanta strawberry. Et moi j'ai pris de l'eau, 4 chicken et mac and cheese. On va goûter. On en parle de ça? C'est quoi ce mac and cheese minuscule là? Ne prenez pas ça, y'a rien du tout. Je viens de finir de manger, regardez. Venez faire votre propre essai. Ouais, venez, mais. En fait, si vous avez un agrès, mangez ici. Non mais non, carrément, c'est mieux que vous mangez à Taco Bell. Déjà le mac and cheese, pour moi je me suis fait douiller, c'est minuscule pour 5€. Mais c'est bon, franchement c'était bon. Les nuggets, il y avait plus de chapelure que de poulet. Ouais, il a laissé toutes ses nuggets sur la vie. Donc ouais, sur ce, je pense qu'on va aller dormir, rentrer, dormir. C'est le meilleur à faire. Nouveau jour. On va aller manger. Je pense qu'on va retourner où on était allé hier. Parce que c'était bon et vas-y, là il est à peu près 8h. Non, moi je suis menteuse, il est 9h. On va manger et après je vous montrerai tout ce qu'on va faire. Hein. Franchement, ça sert à rien que je vous spoil. Voilà. Parce que là on a tous pris comme Tyler, il avait pris. C'est des saucisses, pommes de terre et omelette au fromage avec des toasts. C'est genre hyper bon somme.
à Central Park. Enfin, c'est toute la verdure là. Ça doit être beau en automne, Central Park. En automne, en hiver. Printemps, t'as toutes les couleurs, tu vois. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Enfin, j'aimerais bien, moi, tester en automne et tout. Je sais pas pourquoi j'ai soif de fou. C'est là. Du vélo ? Bah, c'est là. On va faire 2 heures de vélo et je vous promets, je sais plus si je sais en faire. Enfin, je sais en faire, mais ça fait longtemps donc bon, on va voir. J'adore, frère. C'est apaisant de faire du vélo dans Central Park. Genre, il y a un mood pour les gens qui font du pique-nique. C'est paisible, c'est pas bruyant. On entend la nature. Franchement, je kiffe de ouf, même si des fois, enfin, c'est un peu cardio de faire du vélo. Parce que là, on est en plein de montée. Ouais, je te jure. Faut que j'appelle les autres pour les motifs de Maïva. Eh les gars, là, je filme bizarrement. Eh, c'est horrible pour moi. La ville est montée, là, je peux pas. Je sais pas si c'est parce que j'ai un panier, que j'ai des trucs dedans. Je sais pas, mais j'ai un peu plus. Carrément, les garçons, là, ils sont loin. Moi, j'ai dit, allez-y, sur moi. Parce que s'ils sont là, m'attendent toutes les deux secondes, flemme. Eh, les descentes, j'aime trop, c'est rapide. Oh. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Bref, là on va au Starbucks, on va prendre le refresh, comme hier. Vous savez, j'ai fait une dinguerie. En fait là on vient de commander le refresh, refresher. Bref, on vient de commander le Starbucks et en gros il m'a demandé mon prénom. Et moi en fait, j'ai oublié que j'étais en Amérique et j'ai dit M-A-E-E. Normal. Et en fait il a écrit, sauf que je ne vois pas mon prénom. Je vois Rusty, Tyler et Yoram. Regardez en bas, il y a écrit. Ouais, je sais pas. En anglais, là, Rusty, Tyler, Uberson. Ouais, je vais lui demander. J'ai réussi à trouver ma boisson. Regardez comment ils m'ont appelé Mali. Ah mais vous avez pris des big big big. Ouais ouais, on a pris des big ones. Vous êtes malade. Regardez la taille. En fait, nous on est pour les caméras en fait. C'est exactement ça. Regardez. Ça c'est des... Mais non. Là on a commandé. Elles sont plus hein. De quoi t'aimes pas ça? Moi j'aime bien. Le chocolat? Le normal. Franchement normal hein. Mais c'est bon. Là on est en train de prendre des tickets. Ils sont vilains hein. Placé vers le mémorial du 11 septembre. Il y a 3000 personnes qui sont mortes et tous les prénoms sont écrits chez moi. Regarde. Et en fait, en gros, direction Iceland Ferry. On va aller voir la statue de la liberté. Ah ouais, en mode train et tout, genre. On est parti manger des ramen. Il y a grave du bruit, donc j'espère que vous m'entendez. En tout cas, c'est la première fois de ma vie que je prends des ramen. Moi, j'ai pris lui et Ivy, je voulais prendre du porc. S'il vous plaît, regardez, ça a l'air meilleur. Ça a l'air fade. Mais vas-y, on va goûter. Mais le porc peut-être. C'est ça, ça avait le goût du porc. Je sais pas, en fait, c'est pas mauvais. C'est bon, mais tu sens le gras. Ouais, mais c'est pas mauvais. Alors, c'est bon ? Moi, je veux bien goûter le tien. Et toi, tu goûterais bien. J'ai pas envie de goûter le tien. On a fini. Enfin, moi, il me reste du poulet et tout. Mais vas-y, je suis calée. Et Tyler, il a tout fini. Et moi, il me reste que du poulet. Mais en fait, je suis plus fan des nouilles, genre. Je sais pas pourquoi. Ouais. Là, on est rentré dans le mémorial. On va aller visiter. En gros, il faut qu'on dépose les vêtements comme dans l'aéroport. C'est les fondations de la tour. C'est comme si en fait on était en bas. Je vous jure, je sais pas c'est quoi. Peut-être c'est des morceaux du bâtiment quand ils ont explosé. Et c'est dingue. Regardez les images là-bas. Vous voyez là, vous voyez les deux tours. Et après là-bas, l'explosion. Et c'est tellement grave. Et bah regardez, j'avais bien raison. C'était bien des morceaux de façade de la tour du Nord. Et regardez là, c'est les avis de recherche des gens qui ont disparu. Paix à leurs âmes, vraiment. Là, on vient de sortir du mémorial. Franchement, ça me donne des frissons un peu d'entrer dedans et tout parce qu'il y a même un moment, je vous ai pas filmé mais on a vu toutes les photos en fait des gens, des personnes qui étaient mortes. Voilà, exactement. C'est bizarre de voir ça. Exactement. Il y avait vraiment tout leur visage. Ouais, c'est vrai, mon avis sur ça maintenant. Bah c'est ça qu'on allait parler en fait. C'est archi bien
de pas oublier les personnes qui sont mortes ce jour-là pour marquer les gens, tu vois. Mais le truc qui me dérange, c'est que c'est payant. Après, ça peut être une mentalité américaine de peut-être tout faire payer, je sais pas, tu vois, tout et un rien, demander des pourboires ici. Mais le fait de faire de l'argent sur les morts, en fait, c'est vraiment une visite payée. Et vas-y. Ouais, c'est ça. Je vois ça, je me dis ah ouais, chelou. En fait, ça devrait être gratuit en soi. Vous voyez, quand je vous ai montré hier l'endroit où il y avait vraiment tout écrit en gros, où il y avait les tours, ça oui, mais payer comme ça, en plus 33$ et c'est un billet quand même. Enfin bref. Bon, du coup là, on va à Brooklyn Bridge. On a pris des fruits, watermelon, elle les coupe devant nous, du coup ça me donnait trop envie, j'avais besoin. Et regardez, il y a grave des aimants. En fait, je sais que ma mamie, elle aime bien les trucs comme ça, du coup je me dis je peux grave lui prendre un truc. J'aime trop. Ou peut-être celui-là. Franchement, je suis plus fan pour lui, hein. Ouais. Je crois que je vais prendre lui. Lui, il passe plus. Lui. C'est pas grave, c'est pas de la même couleur, non, en vrai. Essaye sur ta tête, comme ça, je vois plus. De loin, ça passe, hein. Ouais, ça va. On est rentré dans un hug. On avait vu une paire comme ça avec Tyler. De base, je crois qu'on l'avait vu sur internet. Il y a des roses blanches, kaki. Les roses, elles sont belles, mais trop flashing pour un début. C'est-à-dire, on va partir sur ça. Et si j'aime vraiment de ouf, je suis grave capable de prendre une noire. Et je vous jure, j'aime trop. Mais c'est un peu serré, du coup, je vais changer. Regardez, Yoram, il a vu cette paire. Il a dit ça m'irait bien. Mais je vous jure, en vrai de vrai, il y a un vrai délire. Yoram. Oh, c'est un donut, ça. Moi, ça me fait penser à. Il y a un délire. Un nuage, bien moelleux. On mange à Chelsea Market. En fait, en gros, Chelsea Market, c'est genre, il y a plein de restaurants différents. Et moi, je peux les battre. Pâte à la truffe. Enfin, c'est truffe mac and cheese. Je crois, Rusty et Yoram, ils sont partis prendre des tacos et tout. Et Tyler, des nouilles. Ça sent bon la truffe. Je crois que je me suis trompée, je croyais que j'avais pris des pâtes à la truffe. Mais regardez, en fait, j'ai pris des boules mac and cheese à la truffe. Bah, c'est pas grave. On a pris un Uber. J'ai tellement dormi dedans. Direction l'hélicoptère. T'es content de faire? Je suis pressée. Moi aussi, j'ai hâte de voir. On a des grosses poches. C'est une dinguerie. L'hélicoptère, c'était incroyable, vraiment. Faites-le si vous allez à New York. Hein. On est à Starbucks. Moi, je vais prendre un truc à boire. Tu vas prendre un truc à boire? Un petit cranberry. J'ai envie de fraises, là. C'est pour toi, ça? T'as pris un petit fraise? Yes, no, I take a big one, you know. Ah, t'as pris un big one? And you? Un petit. Look, so, it's yours. Yes, it's mine. Là, on est dans une statue. T'es mal à queue juste pour toucher ses. Parce qu'apparemment, ça porte chance. Non, moi, j'irai pas toucher. Un marathon géant à New York, les mecs. Let's go. Il y a grave des humains. Incroyable. On dirait une apocalypse. Aujourd'hui est un nouveau jour et en fait hier soir on a oublié de prendre la caméra. Mais hier soir on a eu trop de galères. Ouais, on a eu trop de galères, c'est ça. De... Moi. Ouais, du coup là j'allais vous expliquer. Hier on est parti manger, on a mangé au McDo et tout machin. Enfin bref. Et ensuite on était censé faire des photos avec cette outfit que j'avais hier. Sauf que je tenais la grosse lampe de Rusty et la batterie. Je sais pas comment elle s'est barrée, mais elle s'est barrée. Elle est tombée dans les escaliers en fait. Et maintenant on arrive dans le métro parce qu'on voulait faire des photos dans le métro. Et c'est pas, on met la batterie, ça ne marche pas. En plus la batterie elle est grosse hein, c'est un gros carré. Vous voyez, c'est pas comme si demain je fais tomber ça et ça se penche ou c'est cassé. Non, ça ressemble à une grosse batterie dans le même style. Ou en mode c'est comme ça et tu comprends pas pourquoi c'est cassé, mais je pense que ça a dû se casser à l'intérieur. Bref, donc du coup en fait là je dois aller payer une petite batterie. Je pense que ça va me faire un bon 70$. Ouais, voilà, on va y aller. Je vous cache pas, j'aime bien mon outfit. Veste en cuir, petite chemise, bas large, hug, c'est trop beau. Et toi, t'es beau toi? Ouais. Ça doit être ça. Ok, donc là on est dans le magasin Best Buy, I don't know. On va devoir trouver cette batterie et j'espère qu'elle est là, sinon j'ai niqué les vacances de tout. Non, on devrait trouver. I hope. I hope. See you later. See you later. Ah. See you later. Là, là, là. Et les Américains ils disent pas see you later. See you later. See you later, people. Pas de chauffeur. Il a brisé nos espoirs. Non. Tu comptes on va prendre celle-là? Ouais, bah ouais. Hein. C'est bon, tu penses? Ah, juste ça, single one. La sormone. Ouais, il nous l'a. Ouais. C'est parfait. On va manger à Joe's Pizza. Apparemment, c'est la meilleure pizza. La dernière fois, il y avait une queue jusqu'à là-bas. On voulait aller le soir. Du coup, j'ai pris pepperoni avec épinards. Ils ont pris fromage pepperoni. En fait, on a tous pris la même. Et moi, j'ai pris ça. Ce que j'ai aimé, c'était à la framboise et à la pêche. Mais il n'y en avait pas. Tu peux nous montrer ta tenue, Eva? Bon, alors j'ai mis un ensemble bleu de chez Pretty Little Pink avec mes Uggs blanches. You know. J'ai fait une petite coupe en mode très mignon, très cute. T'aimes bien? Ouais. Et j'ai mis mes boucles d'oreilles dorées. Vous voyez, mes petites bagues. Petit sac blanc. Et là en fait je vais taper mes mirepoix comme ça. En mode comme ça.
Y'a Mirac chez moi, mon ami vient, oh viens. Y'a Mirac chez moi, ma chérie vient, oh viens. Y'a Mirac chez moi. C'est miracle, tu veux bien chez moi. Eh, je vous jure, j'aime trop ma coupe. Elle est trop belle, non? Là, on a fait toutes nos photos, je suis super contente. Maintenant, direction l'hôtel pour me changer parce qu'il commence à faire frais. Et j'en ai marre d'avoir froid. Mon hot dog, il me faut avec cette tenue. Maeva va tester les hot dogs. Dites-vous, elle prend un hot dog juste pour les réseaux, là. Ah ouais. C'est bon? Un consulat. Des tickets. Mais je sais pas, ça sert à quoi. On nous a donné ça à l'entrée du restaurant. Le restaurant, il est vraiment typique américain, tu vois, c'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Un craquette devant. Et les gars, il a du mal parce qu'en fait, il voit que la viande elle est rouge. Et de base, c'est une personne qui ne mange pas de saignant, bah comme moi, ça dégoûte en fait de le voir. C'est dans ta tête, je te jure. J'avoue, regardez. Regardez comment c'est bien rouge. Ouais, j'avoue, en fait, même moi ça me dégoûte. Alors, dites-vous, du coup, on a commandé tout. Ils ont tous pris au fromage et moi j'ai eu un truc là-bas à la moutarde. C'est du jambon chaud en fait. La sauce elle est pas mal, c'est un délire. Mon sandwich il s'est cassé, mais moi j'arrive pas à manger tout ça. C'est bon, mais en fait, j'ai un gros problème, c'est les morceaux de gras. J'arrive pas à les manger, j'aime pas. Je déteste le gras. Wesh, bon, depuis l'Intergalactique, aujourd'hui est un autre jour. Maeva, elle a décidé de s'engager dans des rangements avant que ça devienne trop critique. Aujourd'hui, il fait pas beau à New York. C'est une dinguerie de dire ça. Je pensais jamais dire cette phrase un jour. Aujourd'hui, il fait pas beau à New York. On a décidé de faire une journée spéciale shopping. On va s'acheter des trucs et tout. Et... bref, on se prépare. Bisous. Eh hey les gars, on a fait une dinguerie. On est retourné avec Louis pour le petit déjeuner. Sauf qu'il est, il est 12h30 et en fait bah c'est des plats. S'il n'y a pas de déjeuner c'est en fait. C'est pas le petit déjeuner qu'on a l'habitude de prendre. Voilà exactement. C'est bon? Incroyable. Regardez, eux, ils ont pris du thé. Non mais vraiment miskin, non. Ouais bah ouais. Lui il a pris un cheeseburger, voilà. Et moi j'ai pris la même chose mais avec du bacon. Regardez, c'est rageux. Là, on sort de l'église. On n'a pas pu rentrer avec la caméra parce que Maeva a encore oublié la caméra. Toi aussi. Non, pas que moi. Toi aussi. Tu sais pourquoi c'est pas moi? Ok, vas-y, dis-moi. Tu sais pourquoi ça peut pas être moi? Parce que j'ai dit prends la caméra. Et tu sais pourquoi ça peut pas être moi? Parce que moi j'avais les affaires de Rusty dans mes deux mains. J'avais sa lampe et son sac et mon sac. Donc t'aurais pu prendre. Bref, elle raconte sa vie, les potos. Tu as oublié la caméra, mais ici. Tu as oublié aussi. Bref, ok. On est dedans la situation. Ok. Bref, et là on a pu filmer un peu avec nos téléphones et tout. On est en train de préparer nos valises pour partir. Ouais les mecs, c'est la fin du voyage. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ouais. Franchement, j'ai vraiment kiffé, agréablement surpris, sachant que moi je déteste les États-Unis au vu de l'image qu'on nous montre et tout. Ce pays-là ne m'attirait pas du tout, que ce soit au niveau de la bouffe, la culture, le monde, la langue, rien du tout. Ils voulaient jamais aller en Amérique. On disait ouais, venons aux États-Unis, ils disaient non, franchement j'ai la flemme. Le fait de venir ici, ben, je suis agréablement surpris parce que les gens, ben, c'est une toute autre mentalité que Paris, sans vous mentir, sans rabaisser l'un ou élever l'autre. La vue, c'est magnifique, on sent minuscule, c'est une dinguerie, c'est incroyable. Mais ici tout est cher. Il y a beaucoup de crackheads aussi, mais ils vous calculent pas en vrai, donc faut pas avoir peur, ils vous calculent pas, mais tu sais c'est qui. Moi aussi je peux dire que Times Square c'est un peu sale, genre dans la rue, mais c'est pas forcément sale, mais c'est comme à Paris. Je dirais que c'est comme Paris. C'est comme Paris. Paris, vous allez voir, vous allez voir, vous allez au champ, c'est beau et tout. Voilà. Restez branchés sur toutes les photos qui va sortir de New York. Les gars, branchez-vous sur les réseaux, ça vous permet de voir un peu plus les lieux. Hashtag VIP. En termes de nourriture, malheureusement, la France on a rien à envier à l'américain. Et pour vous dire le truc,
truc que j'ai mangé qui m'a marqué. Je me suis dit, wesh, c'est plus dark en France. C'est les McDo et les petits déjeuners. Le triple cheese bacon, attention. Hein. On a goûté que le triple cheese bacon. Carrément, j'ai juste hâte de finir la vidéo pour aller en chercher. On va aller en chercher. On vous fait de gros bisous. En espérant qu'il y aura bien plus de vlogs. Restez branchés. Allez, des bisous. Like, frère. Partage, frère. Toi, frère. Active la cloche, frère. C'est léger, frère. Il a oublié. Allez, gros bisous.